Je m'appelle Jacky Bagnou, je suis né à Icogne en 1936, que j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années au service de l'Alienne. Le premier travail que j'ai fait, je suis monté avec mon papa et le forestier d'Icogne pour marteler les arbres qui se trouvaient sur la digue. Et ensuite sont venus les bûcherons pour les enlever, pour pouvoir construire le barrage. C'est un souvenir vraiment inoubliable. Quand je suis devenu responsable du service des eaux, pour que l'arrosage soit possible pour tout le monde, on distribuait des quarts d'eau à chacun qui venait arroser. Le conseil communal d'Icogne a commencé à discuter dans les années 1950. Et les accords ont été signés en 1954. Ce qui veut dire que toutes les eaux qui sont sur le territoire de la commune d'Icogne sont concédés. Il y a les garanties d'alimentation justement pour le Bizuro, pour le Grand Bis de Lens, pour le Bis du Sillonnain. Les eaux sont garanties pour l'arrosage et également pour l'irrigation. En 1969, la commune de Lens a installé une conduite d'eau jusqu'à Zeuzier. Quelques années avant, on avait amené l'eau depuis la plaine par des camions-citernes jusqu'ici. Alors là, on a dit qu'il faut faire quelque chose et c'est la commune de Lens qui, elle, toute seule, a pris la décision d'aller chercher ses eaux. Mais au fur et à mesure, disons, on s'est rendu compte que c'était vraiment indispensable et on a trouvé des solutions pour que toutes les communes puissent s'alimenter en cas de besoin. En 2037, au retour de concession, on pourrait éventuellement devenir actionnaire de la société et là, garantir un certain nombre de kilowatts pour la région. On a des grandes réserves et pas seulement le glacier de la Plaine Mort, mais c'est aussi les apports intermédiaires des puits qui amène des quantités de mètres cubes. Dans les grands orages, c'est 20 mètres cubes secondes qui entrent dans le barrage. Ça fait des montées incroyables. La contenance du barrage, c'est 50 millions de mètres cubes. Avec les apports supplémentaires qu'on a, c'est 70 millions de mètres cubes d'eau annuellement qu'on arrive à accumuler. Personnellement, je pense que ce barrage va garantir l'eau de toute la région ici pour très, très, très longtemps.